Salut à vous tous et toutes, toutes et tous. Bonjour à vous les accès libres. Bonjour à vous les assoiffés de la culture handicapés. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'en suis sûr. Eh bien, nous voici encore une fois, comme d'habitude, de ci, de là, les uns en présentiel, les autres en absentiel. Et tous présents pour pouvoir vous causer, pour pouvoir échanger un peu de nos histoires de culture. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis le mois dernier et qu'est-ce que nous allons faire dans les jours qui suivent. Comme d'habitude, nous sommes toujours un certain nombre et on va faire comme d'habitude un premier tour de table histoire de nous présenter. Tour de table qui ne représentera absolument pas l'ordre de nos interventions. Puisque je vais commencer par Aude, qui est tout de suite à côté de moi. Ben bonjour, enchantée. Et qui nous parlera de quoi aujourd'hui, Aude? Je vais vous parler de la foire internationale, non, la foire d'art contemporain au 104, pas internationale. Et je vais vous parler d'Avatar 2, voilà. Parce que je pense que c'est incontournable et que... Vu qu'on est 10 millions de Français à être allés au cinéma pour voir les petits hommes bleus, je vais parler du phénomène. Eh bien, merci Aude, mais on va patienter parce que ce sera pour plus tard. Je vois là-bas Solène. Solène, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Solène? Eh bien, alors aujourd'hui, je vous emmène au musée d'Orsay et après au musée Monet-Marmottan. Déjà, je me lâche les babines. Je vois encore très, très loin Christiane. Ou plutôt, oui, je l'entends. Christiane, tu vas nous dire quoi aujourd'hui? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu très récemment qui a eu le prix... Goncourt des lycéens cette année, et dont le titre est Beyrouth sur Seine. Beyrouth sur Seine. Ouais. Bah, dis donc. Et il y a le métro. Très bien. Très bien. Eh bien, c'est super. Et deux, tu peux nous dire immédiatement quel est l'éditeur? L'éditeur, oh, bah oui, attends, juste une seconde, je reprends le livre. Bon, bah non, c'est pas grave, on ira tout à l'heure. C'était juste pour savoir si tu savais de quoi tu allais parler. À tout à l'heure, Christiane. Et aujourd'hui, qui est-ce que nous avons encore avec nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons des invités qui sont trois, mais en vrai qui sont un. Ah ah, un pour trois, c'est les mousquetaires, non? Et tous pour un, oui. Alors, qui êtes-vous, vous, les amis? On est une partie du collectif Artspace. Et on travaille cette année sur un projet de théâtre qui s'appelle Parole Blanche. Art quoi? Ah là là, Artspace. Artspace? Dis-donc, Space, c'est spécial comme nom. Ouais, c'est chelou. D'accord. Bah, vous allez nous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Et vous êtes trois hein, ici. Mm-hmm. Et sur le collectif, vous êtes combien normalement? On est une quinzaine. Ah oui, oui, c'est un gros machin. Mm. C'est un gros machin. C'est à tête multiple. Hein. Oui. Je vois le genre. Ouais. Et bah, vous allez nous raconter tout ça, hein, de toute façon. Et est-ce qu'on a fait le tour hein, ou est-ce qu'il nous manque des personnes? Ah ben non, il y a moi. Il me semble qu'on a fait le tour, mais il faudrait ben non, peut-être ben il me semble qu'il y a moi, toi. Quand même. Moi, donc, Marc, je vais vous causer d'un spectacle que j'ai vu pas très loin d'ici, dans le théâtre qui est le théâtre dirigé par nos parrains, hein, puisqu'il s'agit du Théâtre 14. Et c'est un spectacle qui... Ben, c'est une pièce de Georges Perec, mais je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Ok. Eh bien, puisque c'est le début du début, eh bien, comment on fait en tir au sort? Qu'est-ce qui commence? Bling, blang. C'est toi, Solène? Je crois que j'enchaîne, alors. Ça marche. Bon,
Bah déjà, j'espère que vous allez bien, puisqu'on se revoit après le mois de décembre. Donc, on est content de se retrouver. Alors, aujourd'hui, je vous emmène au musée d'Orsay, un bien bel endroit rempli d'histoire, avec une collection permanente et des expositions temporaires intéressantes. Alors, le musée d'Orsay, avant tout, est accessible. Le lien va vous être communiqué sur le chat en direct. Pour info, il y a des audioguides qui sont disponibles gratuitement, qui se demandent à l'accueil. Et enfin, pour les malvoyants ou non-voyants, il est possible de faire appel à l'association Les Souffleurs d'Images, qui peuvent être présents pour vous accompagner dans votre visite du musée. Alors, là, qu'est-ce qu'on va voir? Edvard Munch, un poème de vie, d'amour et de mort. Il reste quelques jours seulement. Alors, jusqu'au 22 janvier 2023, vous pouvez aller voir l'exposition. Qu'est-ce que je peux dire? La vie n'est pas un long fleuve tranquille et l'œuvre de Munch, artiste précurseur du mouvement expressionniste pour une grande partie, en exprime certaines formes ou saillies, comme l'inquiétude, le désarroi face à la mort, ainsi qu'un certain doute existentiel. Alors vous allez sûrement penser, punaise, mais Solène, qu'est-ce que tu nous fais en ce début d'année? On est au mois de janvier, tu vas pas nous déprimer comme ça. Mais je vais vous dire, bon, en janvier, il peut y avoir des coups de vent, il peut y avoir des vagues de froid dans l'hémisphère nord, la nature n'en est pas moins belle. Donc, avis aux amateurs qui seront prêts à vivre l'expérience sensible et intellectuelle proposée dans cette exposition autour de l'œuvre de Munch, cela vaut la peine, je crois. D'ailleurs, Marc nous donnera son avis peut-être, puisque je crois qu'il y a été également. Alors souvent, quand on nomme Munch, on pense à l'œuvre si célèbre Le Cri, qui est une peinture phare, certes, mais qui fait aussi partie d'un long processus de recherche mené par l'artiste. Et cette exposition nous permet de mieux apprécier la frise de sa vie artistique liée à sa vie personnelle. Enfin, je vous rassure, vous pourrez au moins voir une lithographie du Cri. Alors, dès qu'on arrive dans la première salle, on est impacté en regardant l'œuvre « L'autoportrait à la cigarette » dont le lien va vous être transmis ou une suite de liens vous est donnée sur le chat. Comme ça, vous allez pouvoir suivre quelques peintures que je vous dis en même temps, histoire de, voilà, d'imager, c'est quand même plus sympa. Donc, on se retrouve avec l'autoportrait à la cigarette. Et donc, on voit Munch un peu qui apparaît plutôt halluciné dans un décor abstrait avec des couleurs de bleu-gris, pourpre. Son habit fusionne avec l'arrière-plan. Le tout est éclairé en contre-plongée, donc la lumière vient du bas, ce qui vient vraiment renforcer cette étrange ambiance. L'artiste a alors une trentaine d'années. Je fais quelques pas. Et là, vraiment, je suis impressionnée par le regard des personnes représentées dans ces portraits, leur profondeur et intensité. Dans l'œuvre Hans Jäger de 1889 ou dans le portrait de Inger en noir et violet, une huile sur toile de 1892, que vous retrouvez notamment là en lien en direct, si ça peut vous aider quand même, c'est plus sympa comme je le répète, mais j'y tiens, allez voir le lien tout de suite. Et donc ça, c'est impressionnant. Et puis après, on avance et ce qui nous marque en second, c'est en fait le contraste entre l'intensité du regard quand il est là et la disparition du regard dans ses œuvres. C'est-à-dire que quand les regards sont pas là, que l'expression disparaît des visages, comme dans l'œuvre Désespoir, Humeur malade au coucher de soleil de 1892 également, alors le ciel s'enflamme et ce qui se dégage du personnage au premier plan semble vraiment crépusculaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, c'est que c'est la même année où il peint Inger en noir et violet et le tableau Désespoir. Et du coup, c'est vraiment impressionnant de voir comment l'artiste peut exprimer avec intensité la présence ou l'état psychologique d'une personne, que le regard soit présent ou pas dans l'œuvre. Et cette peinture, Désespoir, elle doit vous parler bien évidemment, puisque ce sont les prémices d'une série et d'une œuvre bien connue qui est Le Cri. Vous reconnaîtrez sûrement le paysage en arrière-plan et les couleurs. Après, les visages, donc on avance un peu, les visages verdis se déforment face à la mort et à la maladie, notamment dans l'œuvre La lutte contre la mort. Les regards des fois disparaissent et fusionnent dans le baiser. Le baiser après s'obscurcit et devient vampire dans une œuvre du même nom, tout aussi impressionnante, où les cheveux de la femme, tels des flammes, finissent par absorber l'homme, la proie qu'elle semble mordre au niveau du cou. Donc on a vraiment des émotions et des états d'âme des individus représentés, exprimés avec intensité, dans un style qui rend visible toutes ces émotions, notamment le désarroi et l'incertitude. Il faut le dire, on le retrouve encore dans L'enfant malade 1, ou La séparation 1 et La séparation 2, où les lignes organiques se tissent telles des fils qui sont cheveux et deviennent paysages. Puis on passe dans une salle où les paysages s'éclaircissent, les bleus et verts contrastés avec des jaunes et oranges s'illuminent. Je vous recommande d'ailleurs l'observation de la série
les dames sur le pont et les jeunes filles sur le pont. Donc plusieurs versions ont été peintes. Et ce qui est intéressant, c'est s'attarder sur les quatre gravures sur bois qui présentent les étapes de conception de l'œuvre finale, où on voit donc progressivement les couleurs apparaître et l'œuvre se construire, ce qui se fera entre 1905 et 1927. Un peu dans le même process, on retrouve l'œuvre Le Baiser avec différentes versions et techniques. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant. On retrouve une version au pinceau, une autre à la pointe sèche, une autre à la gravure sur bois. Et ça, ça enrichit vraiment notre relation à la matière, à l'outil, mais aussi à la démarche de l'artiste dans sa construction de ses œuvres. Vous allez retrouver aussi pas mal d'autres autoportraits, comme l'autoportrait après la grippe espagnole, l'autoportrait en enfer, autoportrait le promeneur nocturne. Et c'est vrai, quand même, assez souvent, c'est empreint d'une forme de souffrance et d'angoisse qu'on aimerait même apaiser des fois. Et enfin, avant de sortir de l'exposition, il y a la nuit étoilée, une nuit étoilée qui nous aère de son ciel bleu et mauve dans un blanc d'hiver qui est le bienvenu aussi. On est au mois de janvier. Il paraît que l'hiver aujourd'hui, ça marche un peu. En définitive, je comprends qu'on n'ait pas envie de voyager dans cet univers où le crépusculaire est assez présent. Mais au moins, franchement, on ne peut pas être insensible à la sensibilité de cet artiste qui a une capacité à explorer des espaces intérieurs de l'âme humaine et à les restituer plastiquement avec une expression qui lui est propre, mais qui est vraiment parlante. D'ailleurs, l'œuvre Le Cri est une œuvre parlante, expressive. Et si elle a fait le tour du monde, c'est-à-dire qu'elle a parlé à des personnes dans plusieurs cultures, c'est parce qu'elle est expressive et qu'elle transcende quelque chose de lié à la culture ou au lieu de la personne. Voilà pour clôturer. Si j'ai un peu de temps, je vous annonce qu'un peu plus de soleil. On part maintenant se réchauffer au musée Marmottan avec l'exposition « Face au soleil, un astre dans les arts ». Pareil, il reste quelques jours, hein, il reste 10 jours, je suis désolée. Donc allez-y, vraiment, je vous la recommande, d'autant plus en hiver, ça fait du bien. Donc ça, c'est dans le 8e arrondissement, c'est proche des stations Oranlag. Et sinon, il y a aussi le bus 70 qui mène. Côté accessibilité, on est bon pour l'exposition temporaire que je vous propose d'aller voir, que je vous-même vous recommande vivement d'aller voir, et aussi pour sa collection permanente de Monet. Donc ça va, mais pas tout est accessible. Donc les endroits d'où je vous parle, oui, mais il y a des pièces qui ne le sont pas, si on est en fauteuil roulant. Enfin, c'est gratuit pour les personnes en situation de handicap, comme au musée d'Orsay. Mais petit bémol, d'après ce que j'ai compris, c'est payant demi-tarif 10 euros pour l'accompagnant. Donc, il faut le prendre en compte. Bon, en tout cas, c'est une exposition où vous allez vous régaler. Vous allez voir des artistes comme Durer, Rubens, Monet, Turner, Derain, Miro, Sonia Delaunay et je ne sais combien d'autres artistes qui vont vous faire voyager dans un parcours thématique autour du soleil. Vous y verrez 150 œuvres à peu près, donc il faut avoir le temps, mais ça se fait sans problème tellement c'est agréable. Et petite précision, en plus de ce délice comme en pictural, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir l'évolution des connaissances des phénomènes astronomiques et météorologiques, et donc les évolutions de la conception du monde, et ce qui influence bien sûr les artistes dans leur manière de représenter le monde. Et comme là, vous allez voir des artistes sur une période assez longue, c'est intéressant de voir comment ils évoluent aussi. Il y a vraiment des expériences visuelles exquises. Je pense notamment à la première salle, au paysage à l'Oiseleur du peintre Rubens, une œuvre de 1635. Il y a comme plusieurs scènes dans ce paysage. Il y a un dégradé subtil de couleurs qui va de gauche à droite dans un ciel qui est vraiment somptueux. La lumière vient se déposer par endroits sur les ailes du moulin au loin, sur la partie du bosquet à gauche, sur la petite barque plus bas dans la toile en bas. On observe la cime des arbres, on a l'impression de sentir le bruissement tellement c'est délicat par endroits. Et on en oublie un peu dans ce paysage majestueux presque les deux petits personnages qui sont au premier plan. Un siècle plus tard, on est dans une œuvre aussi tout aussi intéressante pour sa représentation de la lumière, c'est « Port au soleil levant », donc une œuvre de l'atelier Claude-Joseph Vernet. Elle est de 1760. Là, on a vraiment une représentation de la qualité physique de la lumière, c'est-à-dire comment la lumière du soleil vient se diffuser sous un voile nuageux, déjà qu'il faut pouvoir représenter, puis qui vient se refléter sur l'eau de manière hétérogène, qui vient aussi se déposer sur les trois personnages qui sont sur la pointe du rocher. Et en bas à gauche du tableau, on a la lumière d'un feu où l'on retrouve un groupe de personnes, qui doit être en train de manger. Donc là, on a vraiment plusieurs types de lumières qui cohabitent
et le tout est harmonieux, il me semble. Après, on a une œuvre de Turner aussi, Le soleil couchant à travers la vapeur de 1809, qui est une œuvre aussi connue, importante pour sa représentation de la lumière. On voit aussi comment l'eau et le sable finissent presque par se fondre subtilement, la manière aussi dont est représenté le ciel, les nuages. Vous retrouverez aussi des œuvres du peintre romantique Gaspard David Friedrich, où il y a vraiment une dimension du mystique dedans qui est très forte. Vous retrouverez aussi une œuvre phare de Monet qui est Impression soleil levant, où le soleil se fait beau orange et donne déjà toutes les lumières de l'impressionnisme. Et c'est un peu une œuvre pivot d'ailleurs dans cette exposition. Vous retrouverez aussi Derain avec un Big Ben coloré avec un soleil éclatant, un bleu surréaliste. Vous trouverez un soleil émouvant et paisible dans une œuvre de Courbet, Le soleil couchant. Il est irradiant dans une œuvre de Munch, Le soleil, que vous ne voyez pas d'ailleurs dans l'autre exposition. Il est presque lunaire dans une œuvre de Anna Hanchet. Il s'embrase d'orange dans une œuvre de Félix Vallotton. Il est divin dans l'œuvre de Maurice Denis, Saint-François d'Assise recevant les stigmates. Il est éblouissant dans une œuvre de Trachel. Et il s'éclipse même dans un pastel sur papier magnifique de Manet de 1919. Enfin, fin de l'expo, irradié par le Golden Center de Richard Pousset d'Arme 1964. Donc vraiment, c'est une super belle balade dans ce voyage autour du soleil. Et pour finir dans cette ambiance lumineuse, je vous propose de regarder avec un tout petit peu d'attention l'œuvre de Paul Signac, Le port au soleil couchant, opus 236. C'est une œuvre de 1892 que vous pouvez peut-être voir là en direct. Donc, comme vous voyez, il est donc bien question de ciel, de terre, d'eau, de mer, de voile et d'humain. On reconnaît un port au soleil couchant avec ses bateaux, la montagne au loin, le tout baigné dans une lumière chaude. C'est le port de Saint-Tropez, fin 19e. Un endroit de la Côte d'Azur, paisible et encore sauvage par endroits. Non, ce n'est pas le Saint-Tropez d'aujourd'hui. Tout est tranquille, mais on est emporté par l'intensité des couleurs. Une atmosphère chaleureuse et enveloppante comme la chaleur du soleil en fin de journée se dégage de ce paysage habité principalement par des jaunes et des bleus. La côte, les voiles, les arbres et le sol au pied du peintre contrastent fortement avec le jaune orangé du ciel et son reflet dans l'eau. On le retrouve subtilement dans l'ombre portée des voiles du bateau au premier plan. La peinture vibre et nous rend toutes les émotions que provoque la vision de l'ensemble baigné de lumière. Vibrant, oui, c'est bien cela, vibrant. Et cela est dû notamment à la technique employée par Signac. Si vous zoomez dans l'image, là, il y a un lien qui vous renvoie vers un site. On voit nettement les coups de pinceau en points séparés ou rapprochés. Les éléments représentés comme de la mosaïque sont fragmentés, mais l'œil et le cerveau reconstituent l'ensemble. À ce propos, cette œuvre est considérée comme sa première œuvre pointilliste. Et le pointillisme, pour avoir une idée, c'est un courant pictural dont la technique consiste en l'apposition de petits points qui sont accolés et de couleurs complémentaires ou contrastées. L'œuvre de Signac, enfin, a été largement influencée par les travaux du chimiste Michel-Eugène Chevreul, qui énoncera la loi du contraste simultané des couleurs, dont vous retrouverez un lien vers Wikipédia. Donc Signac, c'est un peintre qui aime les scènes en plein air, qui est héritier de l'impressionnisme et qui va vraiment développer avec son ami Georges Seurat un style qui sera vraiment quand même en lien avec toutes les théories et les découvertes en lien aux qualités physiques de la lumière. Voilà. Pour moi, c'est une œuvre qui réchauffe le cœur et les yeux et on peut un peu voyager à travers ce paysage en imaginant quelconque petit port qu'on a déjà vu ou imaginé dans nos vies respectives. Voilà. Pour finir, juste, allez voir Sinon Parisienne Citoyenne au musée Carnavalet. C'est jusqu'au 29 janvier. J'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. Je sais pas si on peut le voir là à la caméra. Voilà. Et sinon, encore, allez voir Renverser ses yeux à la galerie du Jeu de Paume. C'est fini pour moi. Merci. Ah ben bravo. Bravo. Voilà un truc bien plein. Hein. Dis donc, mais. C'est un hasard ou pas la luminosité des soleils et la sombritude que tu as présentée de Munch ?
C'est peut-être un peu le contraste que ça m'a fait, ouais. Les deux expos en espace-temps réduit, c'est peut-être un peu ça, ouais, c'est possible. C'est étonnant. Mais bon, c'est un heureux hasard, en tout cas, apparemment. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout est question d'équilibre, toujours. Je ne sais pas si vous avez des choses à demander ou à intervenir sur ce que vient de dire. Non ? Les uns les autres. Christiane ? Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Écoute, c'était très, très beau, là, ce que tu nous as dit, là, Solène. Merci. Ma foi, merci. Ça donne envie d'y aller, évidemment. Mais en plus, là, ton descriptif là, sur la technique de Signac, effectivement, qui était au tout début hein, du pointillisme en général, c'est vrai qu'elle est particulière et c'est d'autant plus intéressant, effectivement. En tout cas, merci, c'était vraiment, ça donnait envie d'y aller. Hein. Ouais, merci à vous. D'autant plus. Merci d'avoir rappelé qu'effectivement, alors, au musée d'Orsay, quelqu'un me disait, et j'ai pu effectivement l'expérimenter moi aussi, moi-même, on est très bien reçu quand on a la chance d'une personne en situation de handicap. Hein? On est très bien accueilli, très très bien accompagné. En plus, on ne paie pas. Et en plus, et ce n'est pas négligeable, la personne qui nous accompagne ne paie pas non plus. Et exact. Ça vaut le coup d'être remarqué. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Notamment au théâtre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, merci beaucoup, Solène. Vraiment, quelle belle histoire. Hein. Ouais. Vraiment, hein, je ne sais pas. Mais après, je ne sais plus trop, mais parce que là, je n'arrive pas à vérifier. Mais je me demande si aussi il n'avait pas été influencé par Jung. Dans le début du 18e siècle, et ses traités de science de la couleur, la plupart des pointistes avaient été influencés par ce scientifique qui avait écrit un traité sur la couleur. Après, je n'ai pas eu le temps de chercher parce que je réagis juste. Est-ce que tu non, mais ceci dit, en tout cas, je ne connais pas bien en détail l'œuvre de Jung. Je ne sais pas si tu parles de Jung en philosophe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question d'ombre et de lumière toujours, et ça se retrouve dans la conception du yin et du yang, par exemple, où effectivement, plusieurs manières de voir où il est question de lumière et d'ombre. Et effectivement, plastiquement parlant, le pointillisme joue sur ce rapprochement entre par exemple un jaune et un bleu pour pouvoir créer un contraste, voilà. Merci. Eh ben là encore une fois, merci beaucoup à toi, Solène. Et c'est à Christiane. Christiane, de nous causer de quoi déjà ? Eh bien, il s'agit là du livre de Sabiliou Goussoub. Dis-moi, excuse-moi, Christiane, t'as retrouvé l'éditeur ? Eh oui, ça y est, c'est stock, voilà. Bon, c'est vrai que l'éditeur ne m'avait pas paru être un élément essentiel, mais bon. Donc, c'est publié chez Stock. Et donc, ce livre a eu le prix Goncourt des lycéens cette année. Et mon petit-fils me l'a offert pour Noël. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin d'ailleurs, hein, parce que, en fait, ça parle Beyrouth sur scène. Déjà, rien que le titre est quand même un peu curieux. Alors, il faut dire que Sabil Goussoub est né à Paris, mais de parents libanais qui sont partis du Liban juste avant des guerres, malheureusement, parce que ce pays en a connu plusieurs, au début des années 70. Et il est en train de se demander, là, tout au long du livre, qui il est. Donc c'est une quête d'identité, en fin de compte, qu'il mène, qui m'a rappelé aussi, d'ailleurs, un parallèle avec... La bande dessinée graphique, enfin c'est un roman graphique hein, de Riyad Satouf, dont le titre est L'Arabe du futur, et dont le dernier tome d'ailleurs que j'ai évidemment acheté parce que j'avais adoré son histoire,
Il y avait, je crois que c'était le cinquième ou sixième volume où il termine en parlant de sa vie d'aujourd'hui. Mais franchement, c'était une saga absolument extraordinaire que je recommande aussi. Donc, L'Arabe du futur, hein, de Riyad Satouf, roman graphique. Mais pour revenir donc à mon prix Goncourt des lycéens, en fait, donc il traite de sujets universels, l'exil, le déracinement, l'altérité, l'identité et aussi, bien sûr, le cheminement personnel. Alors, Sabil Goussoub est un journaliste aussi qui raconte, là, en fait, dans ce bouquin, l'histoire de ses parents et, à travers l'histoire de ses parents, sa propre quête d'identité. Partir, évidemment, c'est mourir un peu, et rester, c'est mourir beaucoup. Parce que ses parents, à la veille donc, de la guerre civile qui a ravagé le Liban pendant de nombreuses années, décident de s'installer provisoirement pour eux à Paris, au milieu des années 70. Mais, eh bien voilà, le provisoire est devenu éternel. Les 2 ans qu'ils pensaient simplement passer en France, ils y ont passé toute leur vie, ils y sont encore. Leurs enfants y sont nés, et ont grandi, et puis ont fait leur vie et sont partis. Et les parents restent, constatent que le temps s'est enfui. Donc, Kaysar et Hanan, qui sont les parents, courent derrière leur Liban sans réaliser qu'ils avaient emmené Beyrouth avec eux à Paris, dans leur bagage et dans leur cœur aussi, bien sûr. Et donc, Sabil Goussoub résume bien la chose en disant « Je suis né à Beyrouth, dans une rue à Paris ». Donc, c'est son troisième livre qu'il a écrit, et il se questionne aussi sur ses rapports avec son propre pays d'origine, donc avec le Liban. Il s'y est rendu donc à de nombreuses reprises, il s'y est même installé pendant un moment, mais en fait il dit le Liban, ce sont mes parents. Je ne sais pas ce que représentera pour moi ce pays après la mort de mes parents. Peut-être qu'il disparaîtra avec eux. Quand je passe les voir dans leur appartement parisien, directement, j'adhérais au Liban. Et il poursuit en disant « À chaque fois que le Liban est touché par un attentat, une explosion ou une guerre, j'ai l'impression qu'on vise mes parents, et ça, je ne le supporte plus. » En fait, ce livre a eu un grand succès. Là, j'ai regardé encore tout à l'heure, il est au cinquième rang des meilleures ventes à l'heure actuelle, je crois que c'est sur l'Obs que j'ai trouvé ça. Et je suis bien contente qu'il soit beaucoup lu parce que vraiment c'est un vrai bonheur à lire. Alors ça s'explique aussi parce que en fait les parents sont des personnages. La mère a été pendant longtemps galériste chez pardon, excusez-moi. Ouais, on est démonétisé direct. En plus, il y a une nouvelle politique de YouTube qui fait que c'est démonétisé maintenant qu'on dit des gros. Oh, bon, d'accord. Bon, bah, écoute, ça va me rapporter cher alors là. Pardon, attendez, il faut que j'entende le fil. T'en étais à tut. Oui, donc les deux parents ont des personnalités vraiment très fortes, hein, l'une comme l'autre, et la mère s'attache aussi énormément. Elle a gardé toutes ses traditions, à la fois culinaires, et puis en même temps, c'est les traditions d'accueil, donc sa maison est toujours pleine de monde, ça crie, ça hurle dans tous les sens, ça mange, ça rigole, enfin bon, une vie vraiment très, 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 très méditerranéenne, en fait. Donc, il dit aussi la vie de mes parents, c'est comme la guerre au Liban. Plus je m'y plonge et moins je comprends quelque chose. J'arrive à situer les protagonistes, quelques moments marquants me restent et puis ensuite je me perds. Trop de dates, trop d'événements, trop de trous, trop de silence, trop de contradictions. Parfois je me demande si ça m'intéresse vraiment d'y comprendre quelque chose. Je veux dire que c'est vrai que j'imaginais forcément la vie dans ce salon, enfin dans cet appartement parisien, qui devait être un petit peu agité, on va dire, pour le moins. Mais enfin bon, je recommande vraiment la lecture de ce livre, parce que c'est écrit enfin, d'une manière très très simple, c'est très facile à lire, c'est plus vivant que ça, c'est difficile à faire. Et en même temps, c'est extrêmement touchant parce que à la fois, il a envie de savoir,
à la fois il a du mal à interroger ses parents qui hésitent un peu, sont quand même pas mal réticents pour répondre à ces questions parce que c'est quelque chose qui est certainement extrêmement douloureux pour eux. Bon, voilà, ils sont partis pour 2 ans et puis en fait, ils y ont passé leur vie. Mais bon, en tout cas, je fais aussi ce parallèle avec l'Arabe du futur hein, de Riyad Sattouf que je recommande fortement. Parce que en plus, on suit toute l'histoire en fait des pérégrinations de cette famille entre leur départ déjà en Libye du temps de Kadhafi, ensuite en Syrie. Et ce qui est particulier d'ailleurs chez Riyad Sattouf, ça m'a vraiment marqué parce que c'est récurrent chez lui tout au long de ce roman graphique. Il est très très sensible aux odeurs. Donc dans ces différents pays, imaginez que son sens olfactif a été soumis à rude épreuve parfois. Voilà. Des odeurs de poudre, tu veux dire? Non, c'était aussi des odeurs humaines. Ah. Enfin, en tout cas, voilà, je vous recommande la lecture de ces 2 livres qui sont très faciles à lire, très accessibles, plein d'émotions, plein de vérité, plein d'une grande spontanéité en général. Et dis-moi, excuse-moi, Christiane, c'est souvent que tu t'intéresses à de la lecture que ton petit-fils te propose? Ben, en Est-ce qu'il y a fait, un vrai non, échange? ça c'est plutôt l'inverse. En fait, mon Ouais. petit-fils, qui s'appelle Kylian, voulait me faire un cadeau pour Noël. Alors, en réalité, bon, pour moi, c'est très simple, c'est soit m'emmener au cinéma, soit m'emmener voir une exposition, ou bien un livre. Là, naturellement, malheureusement, comme il habite à Marseille, la question s'est pas posée réellement. Je lui ai dit, bon, allez, je veux un bouquin, là. C'est gentil, mon petit chaton, là, de vouloir me faire un cadeau. Ben voilà. Donc alors après, il m'a dit, ah ben, je suis bien embêté là maintenant, comment faire? Qu'est-ce que tu as envie de lire? Eh ben, je lui ai dit, écoute, la remarque, là, je viens de lire un article à propos du prix Goncourt des lycéens de cette année. Allez, vas-y. C'est ça, je veux bien. Allez. Et voilà. Et donc, il est arrivé chez moi avec un joli petit colis. D'accord. Et est-ce que lui a lu le livre? Ah non, mais par contre, il a lu les premiers épisodes, enfin les premières publications, les 2 premiers tomes, je crois, de L'Arabe du futur. D'accord. Et donc, comme Rien de il doit tout. venir là, chez moi là, en février prochain, donc incessamment sous peu, je lui ai dit, bah, écoute, j'ai la suite et la fin, donc ça va être l'occasion pour lui. Il avait adoré d'ailleurs les 2 premiers tomes. D'accord. Mais on est exactement pareil parce que pour mes 25 ans, j'avais demandé à ma mère qu'elle m'offre l'affaire Harry Kéber, le prix Goncourt Jeunesse de Joël Dicker. Donc c'est la même chose. Moi, si on veut me faire plaisir, on offre des livres. De ton côté grand-mère. Ah oui, mais j'assume. Hein. Ok, merci beaucoup, Christiane. Avez-vous des choses à dire les uns les autres? Ben, merci infiniment, Christiane. Merci pour ta justesse et la clarté de ton propos, de tes propos. Merci encore. Alors voilà, je me tourne vers nos invités. Nos invités qui sont trois, mais qui sont trois parmi combien déjà? Une quinzaine. Quinzaine. Eh ben, allez-y les cocos, parlez. Non. Racontez-nous qui êtes-vous exactement? Bonjour. Eh bien, nous sommes donc une partie du collectif Art Space, collectif de théâtre émergent. Nous sommes un collectif qui faisons de la création originale. Donc, nous écrivons nos spectacles, nous les produisons intégralement, de la musique au costume, à la mise en scène. Et nous sommes là surtout parce que cette année, nous avons monté un projet liant l'APF du Maine, la résidence du Maine, donc l'APF 14e, et les élèves de conservatoire du 14e théâtre et le théâtre 14. Je pense que j'ai tout dit. Je crois que pas. D'accord. En tout cas, ça, c'est la bonne, la base. D'accord. Ça, c'est nous.
Mais du coup, comment vous êtes rencontrés? Est-ce que vous connaissiez déjà avant? C'est quoi l'histoire de votre rencontre et de pour, l'idée de monter une structure? Forcément, vous deviez déjà vous connaître plus ou moins avant. Il y a eu une audition. Comment ça s'est passé, quoi? Alors, ça dépend des cas. Comme on disait précédemment, on est une quinzaine, peut-être un petit peu plus. Donc, le collectif s'est monté en 2015 autour d'une première création qui s'appelle Rétrosexuel, qui est un spectacle de prévention à destination du public étudiant qu'on a monté en partenariat avec SIDA Info Service dans le sud de la France, parce qu'une partie de l'équipe vient du sud, sud-est, Nice, la maison. Montpellier. et du coup, on a un noyau fondateur dont je fais partie. Et puis, petit à petit, des personnes sont arrivées, d'autres sont parties. Donc, Louis est arrivé en 2017, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. 2015. Mon premier travail pour le collectif, c'est 2015. 2016, si tu veux. Oui. Et puis ensuite, voilà, l'équipe s'est formée, reformée, reformée. Mélodie, je travaille avec elle depuis bientôt 2 ans. On s'est rencontrés, par contre, sur Paris, parce que je travaille dans son collectif aussi. Alors, voilà, c'est un petit monde, hein, que le c'est monde aussi un collectif théâtre. De théâtre. Oui, son collectif de théâtre qui fait aussi des créations originales. Oui. et du coup voilà, et on a travaillé ensemble pendant 1 an et je lui ai proposé de participer à ce projet là, le projet Parole Blanche. D'accord. Et du coup c'est un peu modulable, c'est à dire que dans le futur il y aura peut-être d'autres personnes qui pourront rentrer dedans ou... Oui, ça forcément, parce qu'on est tous, enfin on est des individualités et puis on a un temps à faire avec un groupe et puis quelquefois on a envie de partir voir ailleurs ce qui se passe. Mais au sein du collectif, on travaille un peu en famille. Pour la plupart, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on a lié des amitiés, même des amours parfois. Et c'est agréable de travailler dans un climat de confiance. Surtout dans ces métiers-là. Et donc, il y a des comédiens qui sont dans une aventure solo et qui, du coup, parcourent les différentes compagnies et différents travails. Et puis, d'autres qui décident de se rassembler. Et nous, c'est ce qu'on fait. Même si, évidemment, tous les membres du collectif travaillent aussi ailleurs. Ils ne travaillent pas que au sein de notre collectif. Si je comprends bien, vous êtes certains, ou tous professionnels. On est tous professionnels. Vous êtes tous professionnels. Donc c'est pas du bénévolat, genre vous êtes payé. Vous... Oui, on est intermittent du spectacle. Ouais. Hey. C'est bien parce que moi je fais que des trucs, des interventions, je suis pas payé, donc je suis bénévole. et donc, mais vous parliez tout à l'heure depuis des années. Quand on vous regarde comme ça, vous n'avez pas l'air très vieux. Alors, donc, les années, ça veut dire quoi concrètement? Alors, en ce qui me concerne, alors, le collectif s'est monté en 2015, donc aujourd'hui il a 7 ans, à peu près, un peu plus. Ah oui, quand même. Et en ce qui me concerne, ce métier-là, j'ai commencé à le faire à 18 ans. Je vous laisse deviner mon âge. Non, mais c'est pas. ma question n'est évidemment pas là. C'est simplement l'âge moyen du collectif est jeune, aussi vieillit, jeune que vous. On vieillit, mais on est des jeunes trentenaires. Ah, ben voilà. Bravo. Et vous essaimez uniquement sur le foyer du Maine ou par ailleurs? Alors, on intervient. Alors, il y a plusieurs choses. On intervient dans des établissements scolaires avec du jeune public. Et on intervient, et aussi des classes Ulysse. Ouais. Et on intervient à la résidence du Maine dans le cadre de ce projet-là. C'est évidemment quelque chose qu'on a envie de continuer par la suite. C'est vraiment une envie de faire un théâtre qui soit pour tous et toutes. Toujours en direction d'un public spécifique. En direction du tout public. En direction du tout public. Ouais, ouais, ouais. Nous, on défend un théâtre populaire, inclusif et accessible à tous. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, hors micro, que
que vous étiez en relation avec, avec le Théâtre 14, qui lui aussi a une démarche vers un théâtre populaire. Oui, Théâtre 14 qui défend du coup les mêmes valeurs que nous, et je pense que c'est tout à fait logique qu'on se soit trouvé. On a été très très bien reçus quand j'ai parlé du projet Parole Blanche à Michel, qui est chargé de relations publiques au Théâtre 14. Et tout de suite, il y a eu un engouement de sa part et une envie de participer à ce projet. Alors, la manière dont il participe, il y a plusieurs choses. On ne vous a pas expliqué le projet, mais... Mais on va le faire. Il n'est pas trop tard. C'est à but éducatif, si je comprends bien, parce que la première œuvre, c'était éducatif, c'est toujours dans le... Alors là, c'est un projet de transmission. Alors, qui a deux buts. Le but, c'est la rencontre de deux publics qui sont du coup quelques résidents de l'APF du Maine et quelques élèves du conservatoire du 14e, trois cycles mélangés. La rencontre de ces deux publics autour d'un projet théâtral commun qui va être restitué en juin 2023 au Théâtre 14. Mmh. Voilà. Donc, il y a aussi la question du maillage territorial, le fait de, du coup, d'avoir des partenariats au sein du 14e arrondissement de Paris. Et surtout la transmission et la mise en valeur de la créativité de chacun et chacune. C'est ça qu'on fait dans ce projet-là. Et donc, la thématique de la pièce, ça sera quoi Waouh. Donc on est parti de la pièce Michel Drat, Parole Blanche de Gérald Chevrolet, qui est une pièce de théâtre jeune public qui est éditée aux éditions théâtrales. en fait, c'est des scénettes où deux entités, deux personnages se rencontrent. On comprend qu'ils sont là depuis un moment, on ne sait pas exactement où ils sont. C'est un peu comme En attendant Godot. Mmh. En tout cas, dans un imaginaire un peu comme ça, s'il fallait le rattacher à une pièce un peu plus classique, disons. Et l'idée, en fait, cette pièce, il l'avait écrite à la base pour son petit-fils. Et donc, à chaque fois, il lui écrivait une nouvelle scène. Et au fur et à mesure, comme ça, autour de questions un peu métaphysiques sur la vie, sur le monde, sur la relation à l'autre. Il a construit en fait 24 scénettes, c'est ça. Comme on va couper dedans, pour le travail, on en a sélectionné qu'une dizaine, c'était plus sûr, mais c'est ça, 24 en tout. Et donc, voilà, c'est qu'est-ce que c'est qu'avoir un ami ou pas, qu'est-ce que c'est qu'un territoire, qu'est-ce que c'est que faire un cadeau, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire. Et l'idée, c'est qu'à partir de cette matière qu'on a lue, qu'on a aussi créé en livre audio avec les élèves du conservatoire, en fait, on a fait un livre audio pour que les personnes du projet qui préféraient ou pour qui c'était plus facile d'écouter sur MP3 plutôt que de lire un livre puissent avoir accès au même titre que les autres à l'œuvre. Et en fait, qu'ensuite, on a beaucoup discuté et sélectionné les scénettes qui parlaient le plus, qui renvoyaient le plus à la fois à des choses qu'on a traversées, en même temps à un imaginaire qui puisse ouvrir aussi des perspectives autres. Et à partir de là, on travaille sur des improvisations et on est en train vraiment de construire. L'idée, c'est que nous... on soit des vecteurs, si je peux le dire comme ça, des espèces de médiums, en fait, pour leur donner des outils et qu'ensuite ils s'emparent du projet et du propos et qu'ils le fassent leur, quoi, et qu'ils créent ensemble. Et c'est à ça qu'on s'astreint chaque samedi matin. Ouais, c'est super. Et c'est un ouvrage, une histoire, enfin, une série d'histoires. Combien de personnages ? Deux. Ils sont deux. Mich et Drat. D'accord. Et tout ce qu'on sait, c'est que Mich, il dit qu'il est un peu rond comme une miche de pain. Et Drat, c'est droit. Donc il y a une espèce de caractéristique comme ça, mais qui est, vous voyez, un peu abstraite. Et en même temps, qui peut nous renvoyer, selon nos imaginaires, à plein de choses. Et ensuite, ils évoluent dans les scénettes et on les voit... qui est justement Drat un peu plus terre à terre et Mich qui s'évade un peu
dans un peu plus d'imaginaire, si je peux vraiment le résumer grossièrement comme ça. Donc il y a plusieurs acteurs qui jouent ces deux rôles. Bah, alors, c'est un tout petit peu plus... Ah, attends, je décale le micro. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à créer un chœur, une espèce de choralité aussi, et donc que ça puisse prendre diverses formes et que, en fait, au final, ce soit eux qui décident. Donc peut-être qu'ils vont décider de garder une scène et de la jouer à deux. Peut-être qu'une scène va être transformée juste dans une espèce de danse à plusieurs. En fait, c'est là, on est en train de chercher autour des scènes ce qui les intéresse le plus. Est-ce que c'est d'un coup une scène autour d'une situation d'anniversaire et de cadeau? Et ben, est-ce que c'est qu'il y en ait un qui offre à un autre? Est-ce que c'est un qui offre à tout le groupe? Est-ce que c'est tout le groupe qui offre à un? Est-ce que c'est deux groupes qui représentent pour l'un un individu sous plein de formes et l'autre un individu sous plein d'autres formes? Enfin, et en fait, on réfléchit ensemble, on essaye et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pas toujours choral, quoi, en tout cas. Ouais, l'idée, c'est quand même de voir aussi comment, avec nos contraintes, quelles qu'elles soient, on fait cœur et on cherche ensemble et on avance ensemble, et donc au plateau, que ça puisse se transcrire. Ouais, résonner comme ça, exactement, résonner. Donc en fait, vous avez plus un travail d'encadrement, vous faites un petit peu aussi la mise en scène et un travail sur le langage corporel, sur la danse finalement du corps, dans une approche plus d'improvisation et d'interprétation d'un texte. Ouais, c'est ça. Nous, on n'est pas du tout, en tout cas sur ce projet-là, on n'est pas des metteurs en scène. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec toute la matière nécessaire et d'essayer de les encadrer pour qu'ils puissent utiliser cette matière. Donc, c'est comme elle expliquait Mélodie précédemment, le texte, c'est un support. Peut-être qu'à la fin, il restera du texte. Peut-être qu'à la fin, il n'y aura plus rien du tout de l'œuvre de M. Chevrolet. Et on aura juste tiré la substance dont on avait besoin. C'est juste que comme on a un public qui n'est pas forcément adepte des pratiques théâtrales, il y a toute une phase de rencontre à faire déjà entre les résidents et les étudiants, puis avec nous, une confiance, une énergie de groupe, une synergie à mettre en place. Et une fois que tout ça, ce qui est en train de se faire là, vraiment en ce moment, tout ça est bien solide, nous, on est vraiment plus que là pour encadrer le projet. Et c'est eux qui viennent créer... un spectacle finalement. Donc le test, c'est le médium de départ, mais ils peuvent aussi carrément improviser leur propre dialogue et leur propre... Nous, au sein du collectif, on travaille énormément déjà en collectif. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a très peu de hiérarchie dans notre espace de création en tout cas, et ce qui permet à chacun de mettre et de proposer ce qui l'anime. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les personnes avec qui on travaille, même s'ils sont extérieurs au collectif. C'est cette ambiance-là de travail qu'on essaye de mettre en place. Et du coup, on travaille beaucoup et énormément à partir du plateau. Donc ils font des improvisations tous les samedis. On part de là et doucement, on ramène leurs improvisations au thème, aux thématiques, au texte, pour ensuite en ressortir. Et c'est un espèce de vase communicant comme ça. Et concrètement, le plateau du samedi matin, il est où ? Il est à l'APF 14, donc la résidence du Maine. D'accord. On transforme leur réfectoire. On pousse toutes les tables et ça devient le théâtre. La variabilité du lieu aussi, alors. Formidable. Formidable. Christiane, as-tu des choses à demander ? Attends, moi j'avais une question. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est peut-être une question un peu stupide. Mais oui. Christiane. comme vous partez d'un texte qui a été écrit par un artiste, un auteur, par rapport justement à ça, le fait de modifier au final et de mélanger un support vraiment original avec une improvisation, est-ce que ça pose un problème par rapport au droit? Oui, par rapport au droit, par droit d'auteur, par rapport... Pour l'instant, on n'est pas sur une finalité professionnelle et surtout commerciale. Je crois que la question de droit se pose vraiment à cet endroit-là, quand on commence à faire commerce. Et comme je disais un peu avant, on n'est même pas sûr
finalement que le travail de Monsieur Chevrolet sera là. Peut-être que oui, effectivement, bah, j'espère qu'il y aura moyen de le lier à ça. Mais sinon, je pense pas que ça fasse obstacle, puisque de toute manière, c'est une influence. Peut-être un hommage. Ça peut être intéressant, même que le jour du spectacle, il soit là pour. Ouais. Il est décédé. Mais c'est pour ça que je dis qu'on puisse le lier à ça, ce serait pas lui en personne. Mais de la même manière, on n'en a pas parlé, mais on a un parcours spectateur qui fait partie du projet. Donc on emmène le groupe au théâtre dans l'année pour aller voir des spectacles. Et j'ai le sentiment que ça se situe un petit peu au même endroit, dans le sens où le but, c'est de prendre de l'inspiration, de voir aussi ce que c'est que l'outil théâtre, autant au plateau que dramaturgiquement. Et ensuite, de le transformer, d'en faire... ce qu'on veut, quoi, ce qui nous appartient. Et là, concrètement, quel type de spectacle vous avez vu avec le groupe? Pour l'instant, on n'en a vu seul, ouais. Au théâtre du Montfort. Je n'ai pas le nom de la compagnie, mais le spectacle s'appelle Pièce sans acteur. D'accord. Et c'est donc une pièce sans acteur où deux enceintes magistrales trônent à cour et à jardin et échangent entre elles. C'est un spectacle assez étonnant, en vérité. Ça divise, hein, ça plaît comme ça déplaît. C'est presque de l'art contemporain, en fait. On est clairement sur une proposition contemporaine. Mais c'était intéressant pour nous d'aller voir ce spectacle parce que la notion de contrainte, on enlève carrément les corps, on n'est plus que des voix, et comment on arrive à faire vivre des histoires aussi absurdes soient-elles, parce qu'il nous a emmenés... Dans des histoires très absurdes. Comme du Beckett. Même sans corps, finalement. Quoi. Je pense à Nathalie Sarraute. Et puis la deuxième pièce qu'on devait aller voir, c'était L'Augmentation, dont je crois, Marc, tu vas parler juste après, mais qui finalement est annulée parce que petit problème de camion à la résidence. Le camion est tombé en panne, et du coup, comme c'est un outil nécessaire pour amener les résidents au théâtre, c'est... Ça nous coupe l'herbe sous le pied. Un peu. On y allait demain. Ah oui. Et aussi, ce qui était intéressant dans le spectacle Pièce sans acteur qu'on a vu, c'est l'utilisation de la technique au sein du collectif. Donc, on a un collectif aussi pluridisciplinaire. Donc, on aime beaucoup travailler avec d'autres médiums, notamment l'audiovisuel ou le travail du son. Et... Ça fait du... je continue. Et en fait, on s'est dit qu'on mettrait aussi ces outils à disposition, notamment pour des personnes qui auraient de grosses difficultés d'élocution, comment on fait du coup pour s'exprimer au plateau. Et donc, ce qui était intéressant dans ce spectacle-là, c'est qu'il y avait aussi du texte écrit au plateau, vidéo projetée. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant ensuite avec le groupe que ça fonctionnait très très bien le texte écrit et que ça nous amenait... Enfin, c'était une autre compréhension en fait par rapport au texte parlé. Enfin, voilà. On essaye de trouver des spectacles qui sont en lien avec le travail qu'on propose et qui permettent... parce que le théâtre, c'est quand même vaste. Des théâtres, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un seul. Et du coup, d'essayer de voir différentes visions, différents univers, différentes techniques pour ouvrir un maximum. Voilà. Ça me fait penser à un projet qu'on avait fait à Montpellier avec la mairie de Montpellier, enfin plutôt de la Paillade, ça s'appelait Paillade Blues, et c'était sur justement les cités. Et donc il y avait un texte départ, et après on a fait de la danse classique mélangée avec du rap, mélangée avec différents médiums, et au final ça racontait une histoire, mais même le langage corporel, les déplacements, enfin les improvisations, tout ça, ça faisait un espèce d'ensemble qui faisait un tout, une œuvre unique. Donc au final, c'est intéressant de mélanger les médiums. Je trouve que c'est une très très bonne démarche, et merci de nous partager ce beau projet. Enfin, quoi qu'il en soit, merci de nous tenir au courant de la suite des événements. Ah bah oui, bah de toute façon, vous êtes tous invités à venir voir la restitution au Théâtre 14 en juin 2023, et on vous dira ça, et avec grand plaisir. Eh ben, on en sera. On en sera. D'ailleurs, au Théâtre 14, je rappelle qui est notre parrainage. En tout cas, en la personne,
en les personnes de leur directeur, de leur co-direction. Et Théâtre 14, que je m'empresse de remercier pour tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font, et notamment le spectacle que je viens d'aller voir et qui s'appelle L'Augmentation. C'était le samedi 14, justement, au Théâtre 14. Ah, ça ne s'invente pas. Et je m'étais dit, je vais aller au théâtre. Et j'avais envie d'aller ailleurs qu'au Théâtre 14. C'est vrai. Et je me suis dit, merde. Ah non, vraiment, là. Jamais 203, c'est qui sacrifie pour le troisième? Je me suis dit, le Théâtre 14... Ça ne peut être qu'un 14. Le lendemain du 13 qui porte malheur, ou qui porte bonheur, c'est selon. En tout cas, toujours est-il que je suis allé au Théâtre 14. Et ça tombait bien. Ça tombait bien parce que c'était un spectacle d'un texte de Georges Perec. Et je dis, et je répète, ça tombe bien, j'adore Georges Perec. Et vraiment... Vraiment, je n'ai pas regretté. C'est toujours un peu le problème qu'avec les grands auteurs, quand on les voit représentés, surtout ces auteurs de cet acabit-là, qui sont tellement, tellement particuliers, tellement, tellement exigeants dans leur écriture, juste par parenthèse, je peux rappeler que Perec fait partie de l'équipe de Oulipo. Hein, avec l'ouvroir de littérature potentielle, hein, avec des gens extrêmement, extrêmement chouettes que moi j'aime beaucoup et très, très variés. Et je ne veux pas en parler plus longuement, mais en tout cas, ce que fait Perec, l'exigence et les règles d'écriture qu'il se donnait. Puisque lui aussi, tout comme... Gérald Chevrolet. Il est mort. Il n'y a plus longtemps. Mais enfin bon, donc je m'étais dit, le samedi 14, je vais aller au théâtre, mais quoi voir? Je voulais aller ailleurs, et finalement, le 14, amenant le 14, je suis allé au 14. Mais je me répète, je l'ai déjà dit ça. Hein. On va avancer un peu. J'allais voir L'Augmentation. L'Augmentation de Perec. Mais ça aussi, je l'ai déjà dit. Oui. Hein. Finalement, ma chronique, ça va consister à répéter 50 000 fois. Ah, mais c'est peut-être un petit peu du Perec. Hein. Oh, bah. Oh, exactement. J'exagère un peu, quand même. J'exagère. En tout cas, ce spectacle, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est un spectacle qui est fait par deux acteurs, qui est joué par deux acteurs, une femme et un homme. Ou deux actrices, suivant qu'on met le féminin avant ou après, qui jouent des personnages. Un employé et un chef de service. Ils jouent tour à tour l'un ou l'autre des deux personnages. Et c'est un va-et-vient constant qui s'arrête jamais. Une répétition de même geste, une répétition de même texte. Le texte, comme évidemment toujours chez Perec, et pas sans importance, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée de Perec était de faire un texte où il n'y aurait pas, une seule ponctuation et où ce serait une seule et même phrase. Ce qui fait qu'à des moments, c'est complètement incompréhensible. mais ce qui est fou, c'est que c'est vraiment qu'à des moments que c'est pas compréhensible, parce qu'avec tout le reste, tout c'est clair. Tu parlais tout à l'heure, Solène, de la lumière, hein, en parlant de peinture. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est extraordinaire. Ces deux personnages qui sont tour à tour, soit employés, soit chefs de service, soit employés,
soit employé, soit chef de service. On ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. En tout cas, ça répète toujours pareil. Mais dis donc, mais c'est du pareil. Non, c'est vraiment formidable. C'est vraiment très, très chouette. Les acteurs sont géniaux. Géniaux. Bah oui, mais génial un peu quand même. Une femme. Un peu quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. Un peu quand même. Un peu. Ouais. Un peu génial quand même. La mise en scène est superbe. C'est d'une simplicité extraordinaire en même temps. Ça va du grotesque au clownesque. Ça passe à des choses complètement formelles. Et ça délire. Et on rit. On rit, c'est... Enfin, j'ai ri. Mais je ne devais pas rire assez fort parce que j'entendais que les autres riaient aussi. Enfin, bon, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris mon pied. Je ne peux pas vraiment parler plus longtemps de cette histoire. C'est, en fait, l'argument est tellement court. Il s'agit d'un employé ou d'une employée qui va demander une augmentation, d'où le titre, à son chef ou à sa chef de service. Basta, ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus. Mais ça ne dure pas très longtemps, ça dure une heure. Mais je me dis que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment pris du pied. Je vous invite à y aller. Vraiment. Et puis, si vous n'aimez pas, bah, c'est que... Pip. Voilà ce que je vous dis. Non, allez-y. Allez-y, c'est très bien. On est très, très bien reçus. Comme toujours au Théâtre 14. Juste une petite anecdote. J'avais complètement oublié, puisque je ne sais pas où aller. Et je me suis décidé au dernier moment à aller voir ce spectacle à ce moment-là. J'avais l'intention d'y aller de toute façon, mais pas forcément le 14. Je n'avais donc pas réservé. Je n'avais donc pas prévu. Et ben, ce théâtre est vraiment superbe, parce que je suis arrivé... j'ai attendu rien, c'est-à-dire j'ai attendu que les portes s'ouvrent, et puis la place était en place, c'est-à-dire qu'on avait retiré le siège qui pouvait m'empêcher de me mettre là où je devais me mettre. Et vraiment, 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 allez-y, c'est pas cher, oubliez surtout pas de dire que vous êtes de l'APF, et vous aurez une place à 10 euros. 10 euros, c'est même pas le prix d'une place de cinéma. C'est fou, quoi. Exactement. Non, non. Merci à vous, les gens du 14. Et merci à toi, Pérec. Et merci. Et la metteuse. Je n'en ai pas parlé de la metteuse. C'est bien. C'est une femme qui est au théâtre. À Beauvais. À Beauvais ou Amiens, enfin, quelque part dans le Nord. Et c'est bien. Alors, son nom, pour être sûr de ne pas l'écorcher, je vais vous le dire, mais alors attention, patientez, parce qu'il faut que je prenne des lunettes. En attendant que je prenne son nom, je vais en tout cas vous dire quand ça se joue. Ça se joue jusqu'au 23 janvier. Et c'est... au Théâtre 14, comme je disais. Et ça se joue du mardi au samedi. Mais alors, attention, ce n'est pas toujours à la même heure. Hein ? Le jeudi, c'est à 19h. Le samedi, c'est à 16h. Et les trois autres jours, mardi, mercredi et vendredi, c'est à 20h. D'accord ? Alors, dormez avant, parce que vous n'aurez pas le temps de dormir, ça ne dure qu'une heure. Et la metteuse en scène, c'est quoi son nom ? Et puis, de toute façon, c'est vachement bien. Tu allais dire le nom de la metteuse en scène. Ah, le nom de la metteuse. Ah, la metteuse. Comment elle s'appelle, la metteuse ? Je n'ai même pas dit le nom des comédiens non plus. La metteuse s'appelle... C'est vraiment pas compliqué, en plus. C'est Anne-Laure Liégeois. Liégeois comme le gâteau, hein, en tout cas. Le chocolat. Ah, le chocolat, c'est ça. Mmh. Bon, en tout cas, c'est Anne-Laure Liégeois. Et vraiment, c'est un beau travail, ce qu'elle a fait. Et puis, les comédiens, Dienne, c'est Anne Girouard,
et Olivier Dutilloy. Voilà. Allez-y. Allez-y de ma part. Vous ne paierez pas plus cher. et vous ne regretterez pas d'y être allé. Je vous embrasse et à très bientôt. Bon, alors, est-ce qu'on a fait le tour de tout le monde, là ? Oui, est-ce qu'on mais non. Fait, ou on fait le débat ou on fait ma commission ? On a fait un quoi ? Quelle heure est-elle ? Parce que là, il est 18h, ça va, on a même le temps de... Mais, on a même le temps, alors, de faire un débat. De faire le fameux débat, ou je sais pas. Eh bien, de toute façon, il faut que je cherche bah, Aude, à mon toi. Téléphone, non, non, mais... Parce allez, vas-y, Aude. Il faut on que je cherche... Assez, ça rame. J'ai... Mon truc s'affiche pas, donc on peut faire le fameux débat qu'on devait faire, je sais pas. Ah bah voilà. Ah bah, il était affiché, je l'avais mis là, et puis d'un on coup... On s'est dit, on va la mettre en dernière, parce que sans quoi on ne peut pas remplacer une. Voilà. Et puis voilà qu'elle a perdu ce qu'elle devait mais non, dire. Mais c'est pas ça, ça affiche... Ça, tout à l'heure, ça s'était affiché, et maintenant que c'est mon tour, ça s'affiche plus, donc... C'est magnifique. Bah, improvise. Ah non, là, pas improvisé. T'allais nous causer de quoi? J'allais vous... Avatar. D'Avatar 2. Voilà. Ça y est. Ah, ça y est. Ça y est, parce que normalement, on en imprime ici, là, on a un petit problème d'impression. Donc, je vais vous le lire sur mon téléphone. Donc, tout d'abord, je voulais profiter de cette chronique pour vous souhaiter, parce qu'on ne l'a pas fait, à tous ceux qui ont la chance de nous écouter aujourd'hui, une bonne et heureuse année 2023. Et oui, on ne l'a pas fait. Que celle-ci soit porteuse de santé, de joie, de bonheur, de richesse et de belles rencontres. Arrête. En résumé, qu'elle vous apporte amour, gloire et beauté. Arrête. Beaucoup pensent cependant qu'au vu de la conjoncture actuelle et à l'image de ces dernières années, on ne peut pas attendre grand-chose de cette année qui vient tout juste de débuter. Cependant, comme le dit la célèbre citation de Nichiren, l'hiver se transforme toujours en printemps. Jamais depuis les temps anciens, personne n'a vu ni entendu dire que l'hiver s'était transformé en automne. En effet, que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, la seule chose dont on peut être certain, c'est qu'il contient la même quantité d'eau. C'est seulement la manière dont on décide de percevoir tel ou tel événement qui diffère. Alors en cette nouvelle année, je ne peux vous offrir une formule magique, je peux seulement espérer et croire qu'après l'hiver vient le printemps et qu'un avenir meilleur s'offre à vous, à nous tous. L'espoir et l'entraide seront en effet sans doute les meilleures armes pour traverser cette année. Alors rêvons, car c'est en rêvant grand, en voulant atteindre le soleil, que l'on atterrit dans les étoiles. Après cette petite digression, revenons maintenant à nos moutons, à savoir l'art et la culture. Oui, on est là pour ça. Et cela tombe bien, car ces domaines sont sans doute les meilleurs médicaments et remèdes contre la morosité. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une exposition et d'un film à voir et à expérimenter au plus vite. Tout d'abord, je ne peux que vous conseiller de vous précipiter au 104 dans le 19e afin de profiter de la foire d'art contemporain, et non pas international comme tout à l'heure, tant que vous le pouvez encore. En effet, celle-ci n'est disponible que jusqu'au 29 janvier. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de pouvoir bénéficier d'une visite guidée lors du vernissage de l'extension de cette nouvelle aile, proposant ainsi au public de découvrir toute une nouvelle galerie d'œuvres, et j'ai été si convaincue que je compte y retourner dans quelques jours. Vous vous demandez alors en quoi cette foire est-elle si exceptionnelle et pourquoi dépenser entre 10 et 15 euros pour s'y rendre. Laissez-moi donc vous montrer un bref aperçu, sachant que cette vidéo ne rend pas justice à la foire dans son intégralité, vu qu'aucune des œuvres exposées dans la nouvelle galerie n'y est montrée. De nombreuses surprises vous y attendront donc. Donc là, on va avoir un petit extrait.
Cela donne envie, n'est-ce pas ? En règle générale, le 104 propose toujours des expositions et interventions de qualité et celle-ci ne fait pas exception. Vous vous laisserez émerveiller par ces œuvres qui vous feront retomber en enfance, vous feront réfléchir et questionner tout en vous amusant. De plus, depuis le 17 décembre, l'exposition s'est agrandie avec ses écuries fantastiques. 5 artistes ont ainsi été invités à investir de nouvelles salles, les anciennes écuries et à créer des espaces ludiques, immersifs et inédits entre leurs univers et celui de la fête foraine. On peut citer des artistes comme Orlan, Julio Leparc, je vais forcément écorcher les prénoms vu que je suis dyslexique, hein, mais voilà, je m'en excuse d'avance. Fabrice Hibert, Thierry Aka Arrivel et Alpha Wave. une expérience dirigée par Dan Guenassia, poussant ainsi la totalité de la foire à 45 artistes. Les samedis de 17h30 à 19h, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour danser un slow avec l'artiste Orlan ou un membre de son studio, ou tous les jours aux horaires d'exposition. Proposer ou un rendez-vous dans l'œuvre du slow de l'artiste avec une personne inconnue pour danser le slow et chanter le karaoké qu'elle a composé elle-même. Donc, véritable parc d'attractions artistiques pour attirer, créer du désir et de la folie par le biais de l'art contemporain. Le 104, cette fois, on vient pour contempler les œuvres, mais pour s'aventurer et s'étonner en même temps. Car cette foire d'art contemporain n'est pas qu'une exposition, mais un tourbillon d'œuvres d'attractions, de sensations fortes et de plaisirs éphémères entre Haut le Cœur et Barbapapa, Train Fantôme et Jeux d'adresse, Palais des Glaces et Cabinet de Curiosité, Trip Psychédélique et Machine à Jeux. Une fête visuelle, sonore, olfactive et gustative dont vous avez le rôle principal et qui invite à lâcher prise, à l'hypnose et à l'étourdissement. N'hésitez pas à y venir en famille, vos enfants s'y amuseront et vous pourrez apprécier la profondeur et la seconde lecture que vous pouvez voir sur les œuvres. Et puis, pour les plus gourmands, si vous y rendez le week-end, vous avez droit à des barbapapa et des gaufres gratuites. Il faut aussi savoir que tous les manèges et œuvres immersives sont accessibles à l'aide de jetons. Il faut compter entre 2 et 3 jetons l'attraction. 20 jetons vous seront donnés à l'achat du ticket, ce qui vous fait une dizaine d'attractions. Mais pas de panique, certaines œuvres et lieux, ainsi que quasiment l'intégralité de la nouvelle galerie, nécessitent l'usage d'aucun jeton. Et bien là, du coup, ça rame. ça a disparu, je ne sais plus où j'en suis. Complètement disparu, donc... Aucun jeton. Accessible. Voilà, c'est ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, il a fait une petite mise à jour, mais bon, c'est pas grave. Mais pas de panique, certaines œuvres et lieux, ouais, ça je l'avais déjà dit. Ainsi que, bon, voilà. Si toutefois 20 jetons ne suffisaient pas, vous pouvez en racheter à l'accueil en montrant votre preuve d'achat. Il est aussi bon de savoir que si vous avez déjà visité la foire, vous pouvez revenir gratuitement s'il vous reste encore des jetons à dépenser. Alors n'hésitez plus. Cette foire d'art contemporain est à consommer sans modération et convient aux petits comme aux grands. Je vais maintenant vous parler du film incontournable de cette rentrée. Comme on en croit les 10 millions d'entrées en France pour quasiment 2 milliards d'entrées dans le monde, à savoir Avatar 2, La Voix de l'eau. Véritable raz-de-marée, La Voix de l'eau règne sur le box-office mondial. De quoi envisager l'avenir sereinement pour James Cameron et pour ses suites Avatar 3 et 4, qui ont toutes été tournées en même temps. Nous n'aurons ainsi pas à attendre 13 années de plus, comme ce fut le cas entre la sortie du premier et du second opus. 13 longues années à attendre le retour des Na'vi, de leur philosophie, de leur peau bleue si caractéristique. Un soulagement pour les fans. Nous allons voir du coup tout de suite la bande-annonce. Thank you.
chose est sûre. Où que nous allions, cette famille sera notre forteresse. C'est bon ? Quelques temps avant sa sortie, la suite d'Avatar semblait être un pari audacieux pour James Cameron et Disney. Avec un budget estimé à 460 millions de dollars, le film devait réaliser au moins 2 milliards de dollars de recettes pour atteindre son seuil de rentabilité. Les débuts opérés par le film au box-office ne laissaient que peu de doutes sur sa capacité à atteindre ses objectifs vertigineux. Ce score impressionnant a permis à Avatar 2 de rentrer dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire, selon le site Mojo. Avec sa 7e place, il éclipse Jurassic World en 2015, Le Roi Lion en 2019 et Avengers en 2012. Les deux premiers du classement s'approchaient de 3 milliards de dollars avec en pole position le premier Avatar en 2009, suivi d'Avengers Endgame en 2019. Pourtant, le succès qui ne paraît pas s'essouffler d'Avatar 2 pourrait lui permettre de finir en tête devant son prologue. Face à ce succès, le réalisateur peut donc sereinement s'atteler à un 4e volet dont certaines scènes seraient déjà en boîte et même envisagées alors qu'il comptait en rester là. Un 5e opus est à l'horizon et Disney imagine ce film pour 2028. Non sans humour, James Cameron évoquait dans une interview fleuve auprès du Hollywood Reporter les projets du 6e et même 7e film. « J'aurai alors 89 ans », déclarait-il, avant d'ajouter qu'il devra former sa relève. Étant donné l'amour du public pour sa saga, il va devoir se mettre en quête de son apprenti. Mais ce succès est-il mérité ? Il faut avouer que l'on ne va pas voir le film pour la qualité de son scénario. Le film est en effet assez redondant et on a presque l'impression de revoir le même schéma narratif du premier opus. Alors pourquoi faire partie des 10 millions de Français qui se sont déjà laissés séduire ? Parce que premièrement, on est content de retrouver l'univers créé par James Cameron, de s'immerger dans cette faune et cette flore, autant familière qu'elle n'est étrange, d'admirer ces magnifiques paysages idylliques qui contrastent si bien avec la brutalité du monde industriel et de ses machines, de nous permettre de nous perdre dans l'immensité bleue des océans. James Cameron, en amoureux des fonds marins, étant même l'homme qui s'est enfoncé le plus profondément dans les fonds marins et ses abysses, il a en effet utilisé le sous-marin spécial Deep Sea Challenge pour effectuer ce parcours de près de 11 km, donc de 10 889 mètres en profondeur, en 2h36. Donc il a atteint le record du monde, et à 500 km au sud-ouest de l'île de Guam. Donc James Cameron a su nous transmettre sa passion et cette passion transparaît à l'écran. Celle-ci, et on se questionne même à certains moments si le film n'emprunte pas au documentaire, plus qu'au documentaire qu'à la fiction. Cette prouesse est notamment rendue possible grâce à l'évolution des technologies. C'est d'ailleurs sans doute pour cela qu'il nous a fallu attendre 13 ans entre les deux films. Là où la plupart des réalisateurs et les sociétés de production dont les films auraient dépassé 2 milliards se seraient empressés de sortir des suites, battant le fer tant qu'il est encore chaud, James Cameron a su résister aux sirènes de la monnaie afin de maturer son projet. Au départ, celui-ci ne pensait même pas faire une suite au premier opus qu'il avait pensé comme une œuvre unique. Il a donc pris plus de 3 ans pour se demander s'il voulait vraiment poursuivre l'aventure, puis 1 an et demi pour trouver le scénario. Mais face au foisonnement de ses idées, il lui est apparu évident qu'une simple suite ne suffirait pas et qu'il fallait donc partir plus vers une trilogie à l'instar du Seigneur des Anneaux pour finir par décider d'en faire 4. Les studios n'étaient pas enchantés par cette idée car il n'était pas assez rapide, mais James Cameron avait une vision artistique et n'en démordait pas. C'est donc en 2017 qu'il a commencé à tourner le 2e opus en même temps que le 3e. Celui-ci conclurait l'histoire des Na'vi si d'aventure le 2e film venait à ne pas marcher ou celui-ci s'accompagnerait d'un 4e opus si les ventes en salle étaient suffisamment au rendez-vous. James Cameron a donc bien gagné son pari car les amoureux de son univers ont répondu à l'appel.
Mais cet engouement ne saurait s'expliquer sans l'avancée technologique qui en résulte. En effet, pour les besoins du film, les acteurs ont revêti une combinaison avec des capteurs que l'on appelle la performance capture, tout en étant immergés dans une piscine arborant des caméras faciales. Puis, James Cameron déplaçant sa caméra virtuelle pour voir quel était le mouvement à l'image avant de valider les séquences. Puis, le tout était envoyé en Nouvelle-Zélande dans une entreprise qui avait pour rôle de donner l'impression que le tout était réel avec un niveau de résolution beaucoup plus élevé que pour ses films précédents. L'eau étant sans doute la chose la plus difficile à recréer en images de synthèse, il a donc fallu créer de nouvelles technologies qui ont pris plus de 5 ans à être développées afin d'être sûr d'être assez confiant pour pouvoir commencer le tournage. C'est à peu près les mêmes caméras 3D utilisées pour le premier opus, mais améliorées pour être plus légères, donc plus portatives et avec une meilleure résolution. De plus, les caméras infrarouges ont été utilisées pour les scènes en l'air et des caméras ultraviolettes sous l'eau, afin un ordinateur calculer l'ensemble pour créer un espace relié pour plus de fluidité, car les acteurs qui avaient pris des cours d'apnée, parce que par exemple Kate Winslet a tenu un record de plus de 7 minutes et demie d'apnée. Donc les acteurs faisaient des va-et-vient entre les scènes sous l'eau et les scènes en plein air, et donc le tout devait paraître beaucoup plus fluide grâce à la technologie inventée par James Cameron. Et afin de rendre les navires les plus crédibles possibles, James Cameron a passé énormément de temps à penser leurs émotions afin que leur performance soit le plus réelle possible. Tout partait du jeu d'acteur et de l'émotion véhiculée par celui-ci. Et c'est seulement ensuite que l'éclairage, les angles, la photographie étaient choisis en corrélation. Le plus important étant l'échange libre et la confiance créée entre les acteurs et le réalisateur. Le film est donc une véritable prouesse technologique. Comme dit James Cameron, si les choses sont trop simples, il n'y a pas de challenge et ça ne l'intéresse pas. Le deuxième film est donc beaucoup plus intimiste. Il traite avant tout de la nature, de son amour des fonds marins, mais aussi des relations filiales, de l'adolescence, de la difficulté d'être parent, de l'anxiété, de la dépression des jeunes en perte de repères qui ne savent plus qui ils sont ni à quoi ressemble leur avenir. Même si le film est très métaphorique, James Cameron a mis un point d'honneur à ancrer le plus possible celui-ci dans la réalité. Et même si l'histoire se passe sur une autre planète, il écrit sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'il connaît. Et c'est en cela que le deuxième opus est plus personnel pour lui. Il dira « Dans ma vie, je n'ai eu que 2, 3, 4 idées et j'ai tout mis dans ce film ». Ce que le réalisateur a voulu exprimer dans cet opus, c'est avant tout une réflexion sur les réfugiés climatiques, mais surtout sur notre rapport avec la nature. Pour lui, Pandora est un peu comme la Terre à ses débuts ou lors de l'apparition des premiers hommes. En faisant ce film, il espérait ainsi interpeller les consciences dans l'espoir que les prochaines générations retrouvent un jour notre symbiose avec la nature. Car selon lui, il est encore temps d'agir. Pour lui, les Na'vi ne sont pas des extraterrestres, mais notre futur. Une version améliorée de nous-mêmes et de ce que l'on pourrait être si l'on prend de bonnes décisions. Ce film est donc une métaphore très large de ce que nous sommes en tant que civilisation. Alors courez voir ce film, car il en vaut le détour et vous permettra de vous immerger le temps d'un moment dans un univers de fantasy, nous faisant oublier le temps de quelques heures, nos soucis et notre morosité ambiante, nous permettant de rêver à un monde de demain meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Un dernier conseil tout de même. Plusieurs versions du film sont proposées dans les salles. HFR, 4DX, IMAX, 2D, etc. Face à cela, que choisir donc ? Personnellement, je n'ai pas particulièrement apprécié la 3D qu'offrit le second volet. J'ai eu mal aux yeux pendant les trois quarts du film et j'ai dû faire de longues pauses dès que le visionnage le permettait pour éviter de forcer trop dessus. Bizarrement, je lui ai donc préféré la 3D du premier volume car dans mes souvenirs, j'avais beaucoup apprécié certains effets qui semblaient sortir complètement de l'écran. Or, à part donner l'impression de profondeur, ce deuxième film n'a plus proposé de moments de ce genre. Certains de mes amis m'ont dit qu'au contraire, ils avaient apprécié ne plus voir de papillons ou de lianes sortir de l'écran, car cela les faisait sortir du film. Donc,
comme quoi les goûts et les couleurs, le mieux sera de vous faire vous-même votre propre idée sur la chose. Je suis allée voir le film en 3D HFR, l'IMAX offrant une qualité moindre, mais possédant un écran plus large. Si vous prenez cette option, vérifiez qu'il est en IMAX laser. J'ai choisi la 3D FR car la HFR a été conçue spécialement pour ce film. Je voulais donc avoir une expérience de visionnage la plus proche que de celle souhaitée par le réalisateur. La HFR, donc la High Frame Rate, avec ses 43 images par seconde au lieu de 25, a la particularité de rendre l'action plus fluide et plus lisible. Cette technologie avait été utilisée pour la première fois par Peter Jackson dans son film Le Hobbit, mais cette définition avait créé ce que l'on appelle maintenant l'effet soap opera. En effet, cet effet crée un contraste trop grand entre une résolution trop importante des costumes, les costumes, maquillage et décors classiques. Cela donnait au tout une impression fake, similaire à du carton-pâte. Étant notamment dû à des maquillages traditionnels non adaptés à cette nouvelle technologie, mais aussi au fait que le cerveau des spectateurs n'était pas habitué à voir un film dans une si grande résolution, là où d'habitude, pour des raisons économiques, la convention voulait que les films soient produits en 25 images par seconde. James Cameron a donc perfectionné cette technologie de manière à la rendre plus modulable, passant de 25 images pour les scènes normales à 43 images secondes pour les scènes de combat et de bataille, permettant des mouvements de caméra beaucoup plus fluides et nets que d'ordinaire, offrant des transitions et une adaptation visuelle beaucoup plus naturelle aux spectateurs. Il existe donc 5 formats techniques de ce film révolutionnaire avec des différentes notables, la HFR, les salles Dolby Cinema, les salles IMAX, les salles 4DX, les salles Scream X, les salles Onyx LED, et j'en oublie sans doute, comme la projection 70 mm pour certains films. Il est à noter que le tarif varie de 15 à 23 euros selon les salles et l'option que vous choisirez. Je vous conseille quand même, si vous n'avez pas des problèmes oculaires, de tenter la 3D, et ce, dans les meilleures conditions, car le film prend une autre envergure avec des lunettes sur la tête. C'est d'autant plus vrai que de nouveaux modèles ont fait leur apparition, notamment la version Dolby, qui reproduit avec netteté la luminosité des rendus de James Cameron. Certains évoquent aussi la 4DX, ces sièges qui bougent en même temps que le film et proposent d'activer vos cinq sens, mais très sincèrement, avec la quantité d'eau que projette le film, la 4DX projetant de l'eau sur vous quand les scènes s'y prêtent, il y a de grandes chances pour que vous attrapiez un rhume à la fin de la séance. Compte tenu des températures hivernales qui sévissent en ce moment dans toute la France, je vous le déconseille. Je vous conseille donc la HFR, l'IMAX ou l'Onyx LED avec son son moins bien, mais un super visuel, ou le Dolby Cinema avec son son Dolby Atmos. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, à vous de faire votre choix. Vous êtes désormais prévenus et j'espère que ce film vous plaira autant qu'il m'a plu. Voilà. Ah bah, merci. Mais dis donc, rappelle-moi les prix. Ça va, mais ça dépend de l'option. Si tu le vois le voir en 2D, si tu veux le voir en 3D, si tu veux le voir en IMAX, comme, ça va de 15 à 23 euros. D'accord. Mais à 25 images par seconde 25 images par seconde, c'est la plupart des cinémas, sauf si tu vas le voir en HD, en FR. HFR, voilà. Parce que ça, c'est la technique qui module. Plus ça varie, t'es plus cher. Ben non, parce qu'en fait, c'est-à-dire que la qualité de la résolution va être beaucoup plus importante. Oui. Par exemple, dans la plupart des films, quand il y a des combats, ben, c'est flou. Quand on voit Spider-Man et qu'il vole dans les airs, et ben, ça va donner un rendu flou. Et en fait, passer à 43 images par seconde, quand on a pu le voir dans Le Hobbit, quand ils sont dans des tonneaux et tout, ben, ça fait vraiment une fluidité de caméra et un rendu beaucoup plus net. D'accord. Et juste une chose, tu parles des lunettes. Est-ce que les lunettes sont à prix coûtant ou pas? Ben, ça dépend. La technologie, c'est soit tu achètes les lunettes dans l'équivalent de 2 à 3 euros, soit tu les loues pour, je crois que c'est l'IMAX. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Voilà, c'est bon, on a fini. On a plus qu'à l'antenne. Hein. Eh ben, merci à vous, les amis. Merci les éloignés, les tout proches, les tout près. Et à merci. Tout bientôt. C'est quand la prochaine? Dans un mois. Oui, dans un mois, comme ça. Bye-bye. Et bye-bye. À vous, un mois. Ciao, et puis surtout une bonne année. Hein, parce que quand on a la santé, on a tout. Hein. À bientôt. Bisous, bonne au revoir.
Bye.